Eh bien le bonjour mes petits gens et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon Épée. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on doit aller à la gare et je ne sais même pas où se situe la gare dans ce bled. C'est ça en plus, attendez, c'est aller à la gare, hein, je crois. À la gare de... Ah si, c'est, ça y est, ça me revient. C'est par là-bas, c'est là-dedans, regardez, c'est ça en fait la gare. En soutien pour le tournoi des médaillés. Bon, ce qu'elle... Attends, ouais, ils connaissent. Si j'ai les mêmes, je te donnerai tout. Si... Oh putain. C'est parti, les amis. Ah, attends-moi, Kalia, tu sais quoi? J'ai battu Roy, je le savais, j'ai trouvé la bonne tactique. Ah, pas de combat, s'il te plaît. Et pendant tout le combat, il n'a pas arrêté de parler. C'est pas le même caractère que son frère, c'est sûr. Mais j'avoue que tu ne manques pas de mordant, Nabil. La preuve, tu as réussi à m'arracher le badge dragon. T'es comme un ouragan, mec. Même moi, je peux pas te résister. Bon, les petites têtes, je compte sur vous pour assurer comme des pros Pokémaster, voire même défier Tarak. Nabil, grand favori pour vous servir, accompagné de sa fidèle rivale, Kalia. T'en fais pas, on va tout faire pour gagner. Merci pour les leçons que tu nous as enseignées aujourd'hui, Roy. Le train est là, Kalia. On fonce. D'accord. Donc là, on est dans le train. Tranquille. Excellent. Il joue. Pourquoi lui, il est bleu? C'est la dernière ligne droite. Il y a plein de trucs ouf là-bas. Un gratte-ciel géant, un monorail... Le stade. Est-ce qu'il y a des boutiques de vêtements? C'est tout ce que je veux. Tout Galar nous regardera. Non, le monde entier aura les yeux braqués sur nous. Non, c'est que Galar, désolé, on connaissait pas avant. Ah, oui, il y a 20 ans. Alors. Bzz, bzz. Ok. Quel pays de chevaux à nous une fois la neige, la route 10 fondue. Ah putain, il va falloir. Ah non, on y arrive direct, hein, rassurez-moi. Ouais. Ah non. Bro, la route 10, on dirait un mur de neige. Ça va être blindé de Pokémon glace, trop bien. Ok, tu crois qu'on peut encore progresser avant les Pokémaster? Moi, je dirais que ouais, je crois que mon équipe, ensemble, on peut tout faire. Sur ce, je file, on se retrouve à Winscore. Dernière ligne droite. Et puis, lui, il m'énerve. Ça, j'ai pas, mais... C'est pas grave, de toute façon le Pokédex on le remplira plus tard. J'ai farm un petit peu mais... En fait ça m'énerve parce que j'essaye de faire des raids, il y avait un raid dragon qui m'intéressait. Le gros souci c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu le rejoindre parce que c'est tellement de la merde leur truc online. Là, ils l'ont codé avec le cul, je sais pas mais... Voilà, du coup bah j'ai pas pu l'avoir. Donc voilà, on se retrouve là. C'est ma fille, elle est en train de lire. Mais sur le coup, je merde, qu'est-ce qu'elle fabrique. Ah oui, puis on a eu des évolutions. On a Dracapult, là. Elkaiser, ouais, j'ai trouvé. Alors, oublie une capacité, attendez. C'est qui, les Arus, dans ce pluie. Ça pourrait être pas mal. Je dis bien, ça pourrait. Je sais pas. C'est pas mal, mais le combat il peut m'être utile aussi. Ouais, je veux dire non. Ça y est, y a plus de docteur. Non, viens ici. Viens. Ok, on monte. Putain, c'est quoi ce truc? Toi, tu veux quoi? Tu veux te battre?
Ah, il voulait se battre vraiment? Ne prends pas de risque, c'est la règle d'or en montagne. Par contre, j'espère que c'est pas un truc comme la route 9 là. Nazaire, le montagnard, veut se battre. Non, viens, viens ici. C'est quoi? Tu fais voir? Fais voir? Non, donne. Bah écoute, si tu veux, hein, on va se battre comme ça. Voilà. Merci. Eh, normalement, on le défonce. Bah ouais! Ah bah t'es cas, putain, c'est super efficace normalement. Et là. Oh, il a une de ses. Une de ses résistances. Ah, désolé, je suis fatigué avec. Bon, c'est pour ça que j'ai fait une attaque de merde. Par contre, lui, ça fait mal, hein. Merde, je me suis trompé. Je voulais pas faire ça. Putain, il spamme le tunnel en plus. Bah, pendant ce temps, je sais ce que je vais faire, hein. Parce que là, sinon, il me tue. On va utiliser une petite super potion. Voilà. Mais non. Allez, aqua brèche. Désolé, mais elle est en train d'écraser le chien là. Non, on peut pas. Alors, envoie un Bourinos. Ah oui, Bourinos, c'est le. C'est le poney. Je vais prendre lui. Mon nouveau, ma nouveauté, capturé dans les terres sauvages. Putain, ça n'empêche, ça fait bobo, hein. Putain, il m'a mis un coup. En train de m'allumer comme ça, t'es sérieux? Voilà, j'allais dire, j'ai eu peur. Tabarnak! Ça y est, ils sont tous morts. On est heureux. En l'occurrence, j'ai sous-estimé le risque de poser un combat contre toi. Ah, que dis-tu? Alors là, ça j'en ai. Ah, ça c'était pas prévu au programme. Ouais, c'est efficace. Alors on va faire un psycho. Je vais essayer de le capturer. Tant qu'à faire. Ça dépend ce qu'il fait. Une super bol.
Putain, il m'a eu. Dragapulte, vas-y. Alors on renvoie, c'est pas grave, on va voir. Il est en train de tout me tuer en fait. Ouais, il me saoule. Putain. Oh putain, à 2 points de vie. À 2 points de vie. TK? Yada! Bon, il a failli me coûter. Putain, en fait, je vais pas aller loin, moi, dans le truc. Dans le truc. Oh, il y a un monsieur mime. Vous avez vu un monsieur mime d'ici, en fait? Ça, j'en ai un, dégage. Là, ça me fait chier, je suis obligé d'utiliser un rappel en plus. Parce que là. Mes Pokémon ils arrivent ici, ils sont en moitié mort, tu sais. Bon, allez, on va aller se friter à saucisse là. Bah, on va faire le truc qui est super hein, parce que le reste ça marche pas. C'est quoi qui est marrant? Je sais pas pourquoi elle rigole, elle se marre, elle me fait rire. Alors, on gagne de l'expérience.
continuer sans changer. Donc, oh putain, bah lui, c'est un peu space. Ça a rien fait? Par contre, lui m'a fait bobo. On va essayer un psycho. En espérant que ça fasse plus bobo. Ouais, bof. C'est lui, il est fort. Que va? Ah! L'antidote? Ouais, après, d'accord. On va prendre le notre dracapulte pulte. Notre dracapulte. Notre parce que là. Hein? Ah ouais, la route là, elle a l'air vraiment, vraiment, impraticable, voilà. Et puis en plus, on a des guimauves qui sont répandues un peu partout. TK, TK, TK! Vous risquez d'entendre ma fille, elle vient de se réveiller, mais je sais pas ce qu'elle a. Est-ce qu'on va pouvoir les détruire? En fait, mon équipe, je trouve qu'elle est pourrie. Je sais pas faire une bonne équipe, ça me saoule. Pas très efficace, bamol ombre, alors du coup, hein, vas-y. Ah putain, waouh. Waouh, j'ai oublié ça. J'ai oublié de recharger mes vies. J'ai oublié. Alors du coup, nous allons envoyer notre dragon. On va quand même faire ça par précaution parce que souvent est-ce que ça marche, ouais. C'est pas grave, je continue de l'attaquer comme ça, même si c'est pas efficace. Putain, pas efficace. Alors, en même temps, j'ai le niveau là, du coup. Deino, ouais, 50. Allez, on continue de changer de Pokémon. Oh, je le veux lui. Ibigo. Super efficace. Ah, voilà. Genre le truc, il a des lance-roquettes. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on l'a défoncé. On est d'accord pour dire ça? Ok. On l'a défoncé. Ah, bah il évolue! Yes! Deino évolue. Ok, donc j'ai une équipe à réanimer de ouf là maintenant. T'as tout le monde qui est mort presque. On va faire des hyper parce que je sais pas du tout. C'est le Pokémon Dragon
Dragon acier là, ou dragon je sais plus quoi, Dilargon. Je sais plus ce que c'est. Alors, on va essayer de le capturer. J'espère que j'ai encore des trucs. Ouais. Plus beaucoup, mais. Espérons que ce soit du premier coup. Bah non, dans tes rêves. Bon, il est moche hein, quand même comme dragon. Moi je suis désolé, mais je sais pas si je vais le mettre dans l'équipe, on verra. On verra bien. Putain, c'est pas possible. Quand ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. Putain, t'as beau faire ce que tu veux pour les capturer, mais non, ça marche pas. Normalement c'est bon, ça fait une capture critique là. Voilà. Putain, ça a été dur, hein, mais ça a marché. C'est un Pokémon quoi lui? Dragon acier. Peut-être l'inclure dans l'équipe. Si je bougeais lui, tiens. On range dans le sac. Voilà. Je remplace toute mon équipe. Je vous l'ai dit, je voulais des dragons. Du coup, je veux des dragons. Et là, c'est un dragon acier. Donc, j'ai dragon combat, dragon acier, dragon spectre, dragon de ténèbres. D'accord, dragon pénèbres. Je crois que là, il y a un truc. Oh putain. Du coup, en fait. Alors, monsieur Mime, là, je l'ai pas, je le veux. L'ours non plus, je l'ai pas, tu me diras. Il est plus beau comme ça. Oh putain, ça aurait pu le tuer. Eh bien, ça aurait pu. Par contre, lui, il m'a buté. Il m'a fait bobo. Allez, on y va aux captures. Ça va? Ah putain, il s'est libéré. Donc, ouais. Tata, tu donnes? Non, tu gardes, hein. Filouze. Petite filouze. Oh putain, ils sont chiants. Ils sont relous. Franchement, ils sont relous quand ils font ça, les Pokémon. Allez. On y croit encore, hein, c'est pas fini. Ah putain. Fait, c'est la neige qui va me tuer.
Ah, voilà. Monsieur Mime est dans notre boîte. On l'envoie au PC. Petit ours brun, je veux pas de toi. Tu sais, je veux le petit dragon là que j'ai vu. Et là, vous croyez que c'est un facteur? Livrer le courrier, on s'en lasse. Tu m'étonnes. Béquipant. Ah, j'ai oublié de soigner Bidule. Ça va. Putain, le mec il est venu avec son petit hibou là. Ah mais il utilise tout seul la colère. Oh putain. Ce qu'il met comme patate. Ah mais je suis confus. Bon, c'est pas grave, c'est la fin du combat. Par contre, je vais plus beaucoup avoir de rappels. En fait, c'est ça le problème qui va se produire. Il en reste un. Il faut que je fasse gaffe. Après, je peux faire du camping, mais de toute façon, je vais racheter des provisions. Alors là, il y avait un monsieur mime. Ah, je me fais agresser. La farfurée sauvage. Mais en fait, c'est ça aussi que je me suis lancé un défi, c'est-à-dire, voilà, c'est vrai que dans Let's Go Evoli, je m'avais dit, je m'étais dit, tiens, je vais faire un, une équipe de dragons, et en fait, je n'avais pas été jusqu'au bout, parce que non seulement j'avais pas eu de dragon au fur et à mesure là, on n'avait pas réussi à faire mes sous de ma gueule. Je vais juste fuir! Et en fait, si je vois que j'y arrive pas dans le Pokémeister, bah oui, j'irai entraîner, mais normalement ça devrait bien se passer, hein, je pense. Peut-être un peu plus. Ah putain. Ah oh. Je prends la fuite. Donc on revient là, d'accord. Donc en fait, j'ai pas d'autre chemin. Il me semblait parce qu'il y avait une Pokéball là-bas dans le fond, donc je me suis dit peut-être que. Putain, mais c'est la route où il y a 50 000. Oh non, une dresseuse, que faire? J'ai pas envie de me battre, moi. Bah, bats-toi pas! Mec, rien ne t'oblige à te battre! On est d'accord? Et c'est vrai que j'ai même pas tous mes Pokémon en Dynamax, c'est-à-dire que j'ai pas mis leur niveau. Peu con. Merci. Non? Alors qu'est-ce qu'il envoie? Non, on continue, vas-y.
Oh, ça fait bobo ça, ce que j'ai reçu. Ils sont pas gentils ici dans le secteur. Mais pas du tout. Donc Missy Gris, c'est pareil, il va changer dans la team. Mais je vous jure, j'ai vu un dragon hier. C'était un putain de truc dans un raid. Oh là là, dégoûté. Alors là, il me faut de la potion, putain. On va y arriver à la force. J'ai 4 rappels max, mais je préfère les garder. En plus, oh putain, mais regardez, il y en a bien beaucoup. Il y en a bien beaucoup! Dis-moi que t'as juste un Pokémon qu'on tue et. Darumacho, c'est quoi ça? C'est moche! Il y en a 3, merde! Kuma! Va te ranger si t'es pas content. Allez! Merde, j'aurais pas dû faire un psycho. Quel est ton stylo? Non! Tu peux pas! Il envoie un exa. Ah ça putain. Ça je sais pas si ça évolue mais. Viens, viens ici, tiens. Regarde là. C'est bon, ça l'a tué. Facile. Efficace et pas cher. C'est ma fille qui déplace une chaise. Je sais plus c'est quoi un cracasse. Merci. Tu veux? Ah oui, c'est ça. C'est ce poulpe à la con. Tiens. Voilà, on l'a décimé. Alors, je vais faire un petit camping. Pour la simple raison que. Voilà quoi. Parce que là il y a encore les rouleaux de printemps donc j'ai besoin de d'être regain et on va menu cuisiner. On a Osamuel, alors on va utiliser l'Osamuel et on va mettre DB bien sûr. Et une béchoco, tiens. Et oui, c'est parti. Viens ici. Allez, on doit cuire les ingrédients. Ouais, merci. Allez, hop, on allume le feu. Alors je vais mélanger. Check. Ma fille check. En fait c'est cauchemar en cuisine version Pokémon. Attention, 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 attention. Hop là. Oh putain, du curry à la moelle. Mais putain, c'est que à base du curry. Il a pas trop aimé là mon Pokémon. Ah putain, goût approuvé par Pachira Jardog. Voilà, les PV ont été restaurés. On est bien. On va se fight. Et en plus, on a une montée de niveau pour 3 Pokémon. C'est nickel.
si on garde. Ok, c'est parti. Ouais, TKTK. De toute façon, comme je vous dis, on fera de la chasse plus tard, hein, parce que là, on est à 195 sur les 400. Alors, c'est encore nous. Nous voulons savoir à quel point tu as progressé. Je vais me replanter dans l'objectif de ma caméra. Oui, oui, toi, tu dis le même blabla. Tu donnes? Merci. C'est pas bon, ça. Donc eux ils reviennent. Je sais plus s'ils avaient ça ou pas. Putain, c'est une mitraillette. Il a été fumé le petit. Merci. Allez hop, niveau 68. Il se répare, c'est ça? On a bien progressé quand même. Hein. Ah. La copieuse. Ah, ça attaque plusieurs fois, merde. Toucher deux fois, c'est bon. Oh putain. Ça l'a défoncé le truc. Ça fait mal ce truc. Voilà. Bon, je suis confus, mais c'est pas grave. Je crois que c'est la fin du match. Hein. Ah non, il en reste un. Mojo. Ah oui, c'est le petit truc là, la con. Putain, on les a démolis. Je vous jure, on les a démolis. Quelle force, j'en perds mes mots, en tout cas c'est parfait pour notre reportage. On a perdu mais c'est pas grave, on a pu apprécier toute ta puissance. Va-t-on arriver en ville? Quand on arrive en ville, c'est parti, putain. Par contre pas de combat les gens, je suis tout faible. Hein? Ok. Putain,
Sera à Magicland. Ça, c'est vraiment Londres en fait, hein. On dirait vraiment Londres. Regardez les cabines téléphoniques et tout. Surtout. Et le stade. Ça y est, on a win score. C'est ici que je vais rentrer pour de bon dans l'histoire en devenant maître. Perso, je fonce direct au stade de Winscore. Tu devrais faire pareil, on est là pour ça quand même. Non mais si je veux, hein. La light monte, tu sais, comme si tu n'aurais pas compris que c'était là-bas le stade. Oh, il est grand ce Pokémon. C'est tout de même beau de vivre dans un monde où on peut cohabiter avec des Pokémon si grands. J'avoue. Alors par contre... Est-ce que là ce serait un magasin ou pas? Bon, déjà on va soigner, on va refaire le plein de potions et de conneries. Ta 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 ta. Putain, j'avais même oublié d'acheter, vous voyez, des trucs hyper potions. Rappel. On verra pour la suite. La suite. Parce que je ne sais pas. C'est quoi ça ici? C'est la gare? Non, ça peut pas être la gare, c'est le centre. D'accord. C'est le monorail. Bah. D'accord, ici c'est donc une sorte. Ouais, c'est l'espèce de gare de toute façon. Non, on peut pas. C'est l'espèce de gare. Bah, attendez, moi je veux le... Je vais passer le stade. Parce que moi je voudrais, c'est les vêtements. Tu m'attaques. Ah, elle m'agresse. Alors là-bas, je pense que c'est... ouais, peut-être là-bas, je sais pas. Ah, là, il y a un magasin. Ah, ici. Faut les voir quand même, les magasins. Je vous dis ça. Non, 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 on peut pas prendre ça. Non. Oh, putain, trop... Oh. Vous avez vu la... Ah, non. Le prix, I am shocked. Oh, ça c'est une valise, mais c'est moche. On peut faire encore le sac là, hein. Non, par contre, il y a des trucs qui sont vraiment moches. Hein, on va pas se le cacher. Du coup, on a bleu, on a caramel, blanc, Sougan en cuir. Bah écoutez, on reviendra une autre fois qu'on sera plus riche, parce que là, franchement, c'est la merde. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, puisque y a eu quand même pas mal de moult événements. On est arrivé dans la grande ville, et on se dit à la prochaine pour le stade, hein, carrément, hein, complet, parce que c'est là tout l'intérêt du jeu. On va s'affronter sur les derniers événements, les derniers combats.
Après, je pense qu'il y a du endgame, rassurez-moi. Ouais, je pense qu'il y a du endgame, et ça, je sais pas ce que c'est. Allez, sur ce, portez-vous bien, bye bye!